Salam alaikum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'équipe de l'Open Hard Algérie, dans laquelle nous traiterons d'une autre famille de microcontrôleurs que ceux utilisés par les cartes Arduino. Cette famille est celle des PIC de chez Microchip. Cette vidéo traitera plus précisément de la manière de programmer un microcontrôleur de la famille PIC 18F en utilisant une carte Arduino Uno. Pour réaliser cette opération, nous aurons besoin de deux petits programmes écrits par Kirill Kolukov et disponibles en open source. Nous commencerons alors par récupérer ces deux programmes sur notre machine par la commande git clone. À l'intérieur du répertoire, nous trouvons trois répertoires. Le premier est nommé Arduino, qui contient le programme que nous allons charger sur notre carte Uno. Le second se nomme Exemple, qui contient un programme test pour notre PIC. Et enfin, SRC, qui contient un programme Python, qui s'occupera de lire le programme compilé et le transmettre à la carte Arduino via une liaison série. Jetons un coup d'œil au programme de l'Arduino. Il se nomme PIC18F-Auto. Il a été écrit par son auteur en suivant les spécificités fournies par la firme Microchip. Il nous faut le compiler puis le téléverser sur notre carte Arduino Uno. La prochaine étape consistera à connecter notre carte Arduino au PIC. Nous utiliserons pour notre montage un PIC 18F4550 qu'il nous faut connecter de la manière suivante. Les deux pins VDD, numéro 11 et 32, qui servent à l'alimentation du PIC, doivent être connectés à la sortie 5V de l'Arduino. Les deux pins VSS, numéro 12 et 31, doivent toutes deux être connectées au ground de notre carte. La pin MCLR numéro 1 doit être connectée à la pin 7 de l'Arduino en passant par une résistance qui doit être supérieure à 200 ohms. La pin PGD, la numéro 40, du PIC doit être connectée au pin 5 de la carte en utilisant aussi une résistance. La pin 39, la PGC, doit quant à elle être connectée via une résistance à la pin 6 de notre carte. Pour finir, la pin 38, PGM, doit être connectée via une résistance à la pin 8 de notre carte Arduino. Voici le montage que nous avons réalisé pour programmer notre PIC 18F4550. Il est à noter que nous avons utilisé des résistances de 220 ohms. Nous allons maintenant lancer le script Python qui transmettra notre programme compilé au microcontrôleur via notre Arduino. Il nous faut se positionner dans le répertoire SRC. Le programme de transfert se nomme picprogrammeur.py. Nous pouvons lancer un help pour voir les options que propose ce petit script. Nous pouvons aussi lister les microcontrôleurs supportés par le programme. Nous allons maintenant lancer le transfert de notre programme compilé avec la commande picprogrammeur.py-i suivi du nom du fichier à transférer. Comme vous pouvez le voir, le programme reconnaît notre PIC et tout se passe sans accroc.
pouvez voir l'exécution du programme qu'on a chargé sur notre PIC après avoir alimenté la carte. Ce programme n'a qu'une seule fonction, faire clignoter des LED à une certaine fréquence. Ce qu'on peut dire, c'est que le test est concluant. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo qui, nous espérons, vous aidera dans vos futurs projets. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour suivre nos vidéos ou bien à nous rejoindre sur notre groupe sur Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Open Hardware Algérie sur Facebook. Et pour finir, de la part de toute l'équipe, je vous dis salam.